Coucou, bienvenue à tous pour cette vidéo aujourd'hui. On va pas faire durer le suspense, on va voir qu'est-ce qui se passe pour le tournoi Raid. Après avoir été finalement toujours d'aplomb, on va voir ce qu'il y en est aujourd'hui. Ma défense toujours A, un chouïa de moins. Ah non, toujours pareil, autant pour moi. Donc toujours A. Le premier jour j'étais B et le deuxième aussi, si j'ai pas de mémoire, le troisième et quatrième je suis A. Donc c'est plutôt cool, on va voir ce qu'il y en est, si je reste de la partie longtemps ou alors pas du tout. Là par contre un petit debuffer je veux bien reprendre. Hop, toi tu reviens par là. Nous avons deux hiboux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et que pour l'instant c'est pas tip top, mais c'est pas peine perdue. Est-ce que j'ai un bleu qui vient? Non. Est-ce que là j'ai un bleu qui vient? Non plus. Là par contre ça devient dérangeant. Ah nickel, j'ai les bleus qui arrivent juste à temps. C'est pareil avec la contre-attaque, tu vas mourir tout seul. Moi, ça m'arrange. On peut les positif juste à temps avant qu'elle fasse la danse des cygnes. Donc je pouvais pas espérer mieux. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Nickel, t'as attaqué celui qui n'en avait pas de mana, donc ça m'arrange. Hop, on remet une couche. Et on remet une couche là. On soigne pour le fun, on frappe, on frappe et on frappe. Et hop. Et this is the end. Okay, so next. Buff, pas spécialement d'utilité. Ah, quoique. Enfin, je dis ça, vu qu'il y a 4 cartoons, ça va pas servir à grand chose. On va plutôt partir sur du bon bourrinage. Hop. Là. Et alors. Un diamant vert, je prends. Alors, on soigne, on attaque et on attaque encore. Quelques rouges, mais c'est loin d'être suffisant. Et avoir Bélite en tank, c'est compliqué. Alors là, ça se complique avec les sbires dames du lac. Hop, j'en ai enlevé un. J'en ai presque enlevé deux. Ouh, yes, je vais pouvoir tous les enlever. Faire du ménage. Alors des tuiles vertes pile sur la dame du lac, je prends, mais là s'ils vont déjà rebelote se soigner. Alors qui est-ce que les sbires vont frapper? Bon, pas de bol.
Hop, un sbire de moins. Oui. Plus de rouge. Alerte rouge, c'est le cas de le dire. Ce qui craint surtout, c'est que, vu que maintenant on n'est plus que 3, les sbires dames du lac vont être bien plus contraignants. C'est dommage, j'aurais bien voulu croire qu'elle joue un tour de une fois de plus, m'aurait permis de réduire encore plus la santé max de la dame du lac, me donner plus la possibilité de faire une percée. Mais là, ça va être compliqué. Alors j'ai 3 tuiles vertes qui s'alignent, ça c'est cool. On va attendre que Bellit soigne, parce que sinon les 3 tuiles vertes vont partir dans le vide. Hop, mange-toi ça. Mon oril, et là ça a été touché. Là ils vont rebelote se soigner. Avec 5 sbires d'âme du lac, autant dire que j'aurai pas de CS. Ça devient très difficile et il y a une défaite qui se pointe. J'ai plus Zarel, bon encore elle c'était pas si grave, mais là j'ai même plus de bourrinage. Je suis compromis. Là je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire. Après en soi, les sbires dames du lac me soignent grâce au fait que j'ai le bouclier de maître, donc c'est cool, mais c'est pas ça qui va me faire gagner la victoire. Il faudrait un max de tuiles vertes en dessous de la dame du lac pour espérer faire quelque chose de sympa. Pas comment je peux m'en sortir, franchement j'ai du mal. Voilà, je suis en train de mourir de toute façon. On va lutter jusqu'au bout, mais il n'y a pas d'issue possible positif. Bon. Il est encore tôt. Je vais rejeter un petit coup d'œil en soirée, voir si j'aurais besoin de mettre des gemmes ou non pour rester au top 1. Je pense que oui, parce qu'il est à peine 10h40, 10h45 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc il reste bah, littéralement la journée entière. Donc il y a des chances que j'en ai besoin, mais au cas où, on va rester en stand-by et voir ce qu'il y en est. A très vite, ciao ciao!